d'un pays où le fil du temps n'est pas le même, d'un pays où un homme pressé est déjà mort, retour sur le passé, retrouvailles avec des amis que je n'avais pas vus depuis plus de 20 ans. Beaucoup sont partis, ont quitté Sidi Ifni pour l'Espagne, juste en face, Las Palmas, en Pateras. Ils ont payé cher leur voyage. Beaucoup ne sont pas arrivés, morts, noyés, jetés à la mer par des passeurs, voleurs, face aux côtes marocaines, ne sachant pas nager. Le rêve européen a jamais oublié. Beaucoup de morts sans sépulture, sans prière, sans armure. D'abord, un grand bonheur de retrouver ses regards, ses odeurs, le soleil, la mer, mes amis pêcheurs. Regarder des photos traces de notre passé et les rires, de nouveau réapprendre à sourire, réapprendre à aimer. Mais le bilan est lourd, des remords, des regrets. Le chemin est bien long pour trouver la paix. Éviter la rancœur, la quête du bonheur, vivre plus simplement, sans objets encombrants, loin des emmerdements. Des faux amis bruyants, des mantes religieuses en manque de prière, prêtes à sucer ton sang, prêtes à te faire la guerre, te mentir, te trahir, avec de grands sourires, et te laisser en plan, quand tu as moins d'argent et le pouvoir d'antan. La mort ne fait pas peur par rapport à la vie, un combat de titans dans un monde violent, où le plus cruel est de perdre son temps. J'ai tant de choses à dire, j'ai tant de souvenirs, et je voudrais chanter mes amis disparus que j'ai tant aimés. Mais j'attends la musique qui portera ces mots. À la casbah des étoiles, recevoir les nouveaux. Et après quelques temps de bonheur partagé, derrière mon rideau de silence, enfin me retirer. Thank you.
Mm-hmm.